Comment ça s'est passé? Plutôt bien? Je suis pas parti, Yannick Coquin. Je reste pas pour lui. Comment ça s'est passé? Plutôt bien. Plutôt la prochaine fois que je vais faire du cross avec, je vais changer de mort. Je vais mettre un truc qui freine un peu plus. T'avais l'air un petit peu. T'avais mal aux mains, aux bras? Ah, j'avais super mal aux mains, les mains tétanisées. Elle n'était pas du tout impressionnée pour le coup. Ça l'a plus ému hier de rentrer dans l'arène de dressage que là, le cross, le monde. Non, elle n'était pas du tout impressionnée. Ni par le monde, ni par la hauteur, ni fatigué à la fin. Oui, tant mieux, c'est mieux que ça pour faire des chevaux pour la suite. Mais c'est sûr que la prochaine fois. Parce que t'avais quoi dans le bec là? Filet simple? Ouais, mais moi je monte tout. Enfin, 95% du temps en filet simple ou alors des morts un peu plus fins ou quoi. Mais là j'avais un gros mort de poulain et c'est vrai que la prochaine fois je mettrais un mort simple mais plus fin parce que là elle se battait un petit peu. Du coup, j'ai pas eu tous les abords comme je voulais. Après, ça l'a fait. Ça l'a fait, mais j'ai pas eu tout comme j'aurais aimé. D'accord. Mais ça s'est pas trop vu de l'extérieur, mais c'est quand t'es descendu, on a vu que t'avais mal au bras. Mais non, mais sur le moment, tu penses pas, tu serres les dents, tu penses à ta respiration, tu dis, bon, c'est pas grave, quoi. En plus, j'aime pas monter avec des gants, et là, il pleuvait, donc du coup, c'est vrai qu'en plus, j'avais la reine droite qui glissait vachement. Et du coup, t'es obligé de forcer encore plus, du coup, de fermer encore plus fort les doigts. Du coup, c'est vrai que ça amplifie le phénomène, mais bon, de toute façon, t'es au Mondial du Lyon, tu serres les dents et tu vas au bout et c'est tout quoi. Elle n'est pas arrivée trop fatiguée du coup? Ah non, pas du tout. Non. Là, elle est à 80, donc la récup 96. Est pas mal. Ouais, ça va. Ça va aller et j'ai peur que ça me l'ait mis un peu trop gaz pour le CSO demain, donc je pense qu'on va la gymnastiquer un peu le matin pour la. C'était frais, même le cottage, là, le voyage dessus. Le cottage, c'est quoi le cottage? La maison, là, le contrebas. Ah oui, elle a sauté. En plus, je suis venu, j'ai l'impression de venir doucement. J'ai mis un peu la jambe parce que je ne voulais pas rester quand même en haut. Bah, quand j'ai mis la jambe, elle m'a dit, c'est bon, accroche-toi, c'est parti. Du coup, j'ai fait les trucs avec les mains comme ça, les running, mais bon, non, c'était bien. Non, là, elle est chouette, elle est chouette. Après, faut comme un très bon. Mais comme un très très bon jeune cheval, enfin, 7 ans c'est encore des jeunes chevaux, quand ils ont tout ce qu'il faut pour aller sauter les plus gros parcours, il y a des exceptions qui sont hyper cool sur le plat, qui vont hyper vite et qui sautent tout au cross et qui sautent très bien le concours, mais c'est quand même hyper rare. Elle a quand même une qualité exceptionnelle sur le cross, très très bonne qualité sur les barres, mais ça se passe toujours faire. Et du coup sur le dressage c'est pareil, ça se passe toujours faire, mais c'est compliqué d'avoir à la fois une maniaque d'enfer sur le cross et qu'il soit bien soumis, bien avec toi sur le CSO et sur le plat. Oui, ça existe que dans les rêves, ça. Ça existe que dans les rêves, ouais, non j'en ai pas là. J'étais en train de chercher, non j'en ai pas. Ok, bon demain ça devrait aller alors. Enfin, on croise les doigts. Après une petite gymnastique. Oh, on va la gymnastiquer, on va lui parler gentiment, poliment, on va bien la marcher déjà, on va bien s'en occuper, même si je pense que. Elle n'a pas pris dur, mais quoi qu'il arrive, c'est la première fois qu'elle a fait cette longueur. Le sol était quand même un peu éprouvant. Donc, quoi qu'il arrive, elle aura forcément des courbatures. Donc, on va bien la marcher, bien la soigner. Enfin, la soigner, j'entends. Mais bien faire ce qu'il faut pour bien l'avancer, pour optimiser toutes les chances pour demain. Après, ça fera pas. Ça, c'est pas, on ne sait pas, c'est le sport. Mais déjà, on va tout mettre en œuvre pour qu'on ait le plus possible de chances. Ça marche. Ok. François Détienne de courbature aussi. Non, ça va.